Mesdemoiselles, un peu de silence, s'il vous plaît. Pendant les 2 années que nous allons passer ensemble à l'institution ménagère Van der Beek, vos futurs professeurs et moi-même allons avoir la délicate mission de faire de vous la perle des ménagères. Rotation de chiffon, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. La bonne épouse est avant tout la compagne de son mari. Ce qui suppose oubli de soi et bonne humeur. Arrête! Robert! Il étouffe! Tape-lui dans le dos! 24 ans de vie commune. C'est quoi ça? C'est des lettres d'huissier. Je peux entrer? Nous sommes ruinés. Passez la seconde! La seconde! Fameux volant, gare au tournant! Tu vas pas t'y mettre, toi aussi? Pensez-vous que nous arriverons à sauver l'école? Si nous ouvrions un nouveau compte, à votre nom. Vous dire que j'aurai un carnet de chèques à mon nom. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. Bonne épouse se concentre sur ses tâches ménagères. Je veux te revoir. Non ! Afin de ne pas céder à toutes ses tentations. En deux mots, mains occupées, mauvaises pensées chassées. Ma mère a dit à mon père qu'elle va monter à Paris rejoindre les féministes. Les quoi ? Les féministes. C'est qui ? Les femmes qui veulent être les égales des hommes. Vous faites de nous des bonniches, comme vous. Je veux vivre, moi. Je veux être libre. Les mains en l'air, on se tire ! Je veux pas que tu sois mon esclave, je veux faire ma vie avec toi. Et si ça peut te rassurer, sache que... Je suis un as du repassage et tu fais très bien la cuisine. Tu sais faire la cuisine, toi ? Zay, 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 zay. Zay, 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 zay.